Vous étiez bien amusé sur l'application FaceSwap Live. Hein? Ça vous dit quelque chose là, cette gueule? Microsoft a sorti un bot qui s'appelle Murphy. Et Murphy, son travail, c'est quoi? C'est de FaceSwapper à ta place les choses. En gros, il faut toujours commencer par What If, qui veut dire, je le sais, et si, ça doit vouloir dire et si. Pfff, attends. Et qu'est-ce qui se passerait si? On était pas loin. Par exemple, what if Nicolas Sarkozy was a girl? Qu'est-ce qui se passerait si Nicolas Sarkozy était une fille? Et là, il nous envoie une photo de Nicolas Sarkozy en meuf. Est-ce que c'est pas exceptionnel? Si! C'est fantastique. Et si Squeezie était une fille? Il va pas trouver. Ah! What the fuck? On a une meuf qui se fait un masque de beauté. Tranquillement. Il est doué. Il est doué. Par contre, il sort toujours la même photo de fille. Quand tu mets le mot fille, il a qu'une photo en stock. Attends. Attends, ça se trouve, c'est vrai en plus. Il va pas mettre Usain Bolt sur une meuf blanche. Je pense que quand tu mets was a girl, il met forcément cette meuf là. C'est n'importe quoi, mec. C'est tellement scandaleux. What if François Hollande was an elephant? Si François Hollande était un éléphant. Comment ces gens font? Mec, c'est tellement bien fait, c'est chaud. Et si Iron Man était Captain America? Non mais mec, tu vois ce qu'il m'a fait quoi? Il a pris une affiche où il y a une moitié de visage de chacun et il a juste mis la gueule de Tony Stark trop mal incrustée. Scandaleux. Attends, il m'en a fait une autre. Oula. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait, mec? Mais non, mais regardez où il nous a mis Tony Stark. Il nous l'a mis sur Hulk. Mais qu'est-ce que c'est que ça, mec? Et si Jennifer Lawrence était nue? Ah bah non, pardon. Et si Cyprien était un combattant? Oh non! Un style hors norme, double lunette, pour combattre mieux que quiconque. What if Enjoy Phoenix was a phoenix? What the fuck? C'est improbable. T'as pas fait ta routine teint là, Enjoy, hein? Et si Hulk était Hulkbuster? Hulkbuster, c'est la grosse armure d'Iron Man. D'accord, on part sur une photo, Vous avez 4 secondes pour trouver la tête d'Hulk, c'est parti! Oui. Depuis le début, Hulk est en fait la rotule de Hulkbuster. Et oui, je viens de vous spoiler la fin d'Avengers 2. Et si Squeezie était musclé? C'est là qu'on va tester les vraies capacités de Murphy. Mais pourquoi tu trouves que cette putain? Une autre! Arrête! Mais arrête avec ça! Mec, il est obstiné à garder ce visage! Il faut arrêter tout de suite! Attends, normalement, si je marque ça, il met un autre visage. Ah, voilà! Le voilà, le Squeezie content d'avoir enfin trouvé ses muscles. Putain! Et si Chewbacca était un chien? Mais arrêtez! Ah les bâtards, ils m'ont brain, putain! Qu'est-ce qui se passait si ma Claymore était une Claymore? Je me suis toujours posé des questions. What the fuck? Quel est le fuck? Putain, ils ont compris, la Claymore, l'épée, moi je parlais de la mine. Mais franchement, la Claymore, ça te va bien d'être perso d'animé. Hein. Et si Beyoncé était en fait Jay-Z, mon gars? Oh oui, bah... Jay-Z, il a une bouche tellement grosse qu'ils ont même pas réussi à détecter, mon gars. Et c'est fantastique, j'ai adoré. Qu'est-ce qui se passait si François Hollande était président une nouvelle fois? Ça a pas du tout Murphy là. La Murphy, mon gars, t'es en train de surchauffer. Je crois qu'on est trop à faire des face swap de merde et t'en peux plus. Et si Obama était François Hollande? Oui, c'est ça, mon gars. Le thug est là. Et si Norman fait vidéo était un enfant? Oh oui. Oui, c'est magnifique. Une autre. Oh oui. Attends, ils arrivent à tourner l'image comme s'il était de profil. Putain, c'est ouf. Encore. Mais attendez, ça c'est une vraie photo de Norman quand il était petit. Excellent, suivant. Et si Thibaut InShape était maigre? What the fuck? What the fuck? J'ai pas dit était une femme. Arrêtez, Thibaut. Mais arrêtez, mais c'est incroyable. Attends, what? Ça pour Murphy c'est maigre, ça marche. Enculé. Et si Legolas était en fait un Jedi? Oui. Oui, je l'ai toujours su. Le vrai visage de Luke. Et si Yoda avait des cheveux, qu'est-ce que ça ferait? Oh oui. Ouh, Yoda, prends-moi. C'est même pas Yoda. What the fuck? Bah prends pas, je retire. Ah voilà. Ça c'est mon maître, ça c'est celui qui m'a transmis la force. Et si Naruto avait eu un enfant avec Sasuke? Ouais, c'est bizarre. Non. Jetez-le à la poubelle, on en veut pas. Oh mon dieu. Et si Michael Jackson était en vie? Ah d'accord, ok. Donc la peau blanche suffisait plus, il voulait carrément devenir une femme maintenant. Murphy, tu arrêtes tout de suite. Oh putain, Murphy va mettre fin au débat éternel. Et si un pain au chocolat était en fait une chocolatine, mon dieu? What the fuck? Je déteste Murphy, putain. Et si No Man's Sky était un bon jeu? Mais qu'est-ce que tu racontes, Murphy? Tu délires! Et si Antoine Daniel était chauve? Comme ça, plus aucun problème avec tes cheveux, Antoine Daniel. Et si Maître Gims était blanc? Oh, comment ça tue le game? Et si moi, j'étais noir? Pourquoi tu es Cyprien? Moi, j'ai pas le droit d'accéder à la couleur de peau noire, c'est ça? Qu'est-ce qui se passait si Kim Kardashian était un papillon? Un vrai papillon? Non! Mais putain de merde! Ah! Voilà! Voilà ce que... C'est de la merde. Et si Obama était français? Et ouais. Le cliché du béret rouge et de la tour Eiffel. En plus, il est mal incrusté. T'avais un truc à faire, Murphy. Un truc. Et si Hollande était américain? Alors là, tu vois, Murphy, je pensais pas, mais t'as réussi à faire plus fort dans le cliché que la photo d'avant. Et si les humains étaient des animaux? C'est tout ce que tu trouves à me faire, putain. Et si Will Smith était Harley Quinn? Oh oui, c'est bon ça. Et si Squeezie était un tacos? J'ai toujours voulu être un tacos, mon gars. Déjà, j'ai l'odeur quand je transpire, et ensuite... Oh mon dieu. Oh mon dieu, mon rêve, prends vie. Oh. Et voilà les gens qui ont pensé cette vidéo de... What the fuck?
Bon bah j'en suis à la fin de cette vidéo sur Project Murphy. J'espère que ça vous a plu, c'est quand même, n'hésitez pas à mettre le doigt comme d'habitude. Bah c'est hyper marrant en fait parce qu'on sait jamais quelle photo il va utiliser et quel mix pourri ça va donner. On se retrouve dans une prochaine vidéo, merci d'avoir regardé, portez-vous bien, ciao tout le monde, peace.